Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville. Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 6 février, la Sainte Église célèbre Sainte Dorothée, Vierge et Martyre de l'an 304. Écoutons la vie de Sainte Dorothée, une vie de foi et de confiance au Seigneur. Le martyre de la Vierge Dorothée nous offre encore une belle page de l'histoire des premiers siècles de l'Église. Elle était née à Césarée, en Cappadoce, où elle faisait l'étonnement des païens et l'édification des chrétiens par ses rares vertus. Saisie comme chrétienne, elle parut les yeux baissés, mais avec fermeté devant son juge. « Quel est ton nom ?» lui demande-t-il. « Je me nomme Dorothée. Je t'ai fait mander pour sacrifier à nos dieux immortels. Je n'adore que le Dieu du ciel, car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui. Écoute-moi et sacrifie, c'est le seul moyen d'éviter le chevalet. » Les souffrances du chevalet ne durent qu'un instant, mais elles me feront éviter des supplices éternels. Le juge la fait étendre sur le chevalet pour l'intimider, mais elle réitère sa profession de foi. Pourquoi retardes-tu mon bonheur? « Je suis chrétienne, je n'aspire qu'à voir celui pour qui j'affronte les tourments et la mort. » « Et qui est celui que tu désires ?»« C'est le Christ, le Fils de Dieu. » »« Ce sont là des folies, sacrifie et tu seras heureuse. » »« Non, je ne sacrifierai point aux démons, je suis l'épouse du Christ. » Et je brûle de m'unir à lui dans les cieux. Elle est alors livrée à deux malheureuses femmes qui avaient récemment apostasie. Mais loin d'être ébranlée par elles, elle leur fit sentir l'énormité de leur faute, les convertit et assista bientôt à leur martyre. Dorothée, à son tour, fut de nouveau étendu sur le chevalet. « Jamais je n'ai été si heureuse, dit-elle, au milieu des tourments, car j'ai rendu au Christ deux âmes que le démon lui avait ravies. » Et se tournant vers le juge, « Misérable, lui dit-elle, te voilà vaincu, toi et tes idoles. » Elle fut condamnée à être frappée du glaive. « Je vous rends grâce, s'écria-t-elle au céleste amant des âmes, de ce que vous m'appelez en votre paradis. » Comme on l'amenait à la mort, un païen nommé Théophile la pria par raillerie de lui envoyer des fruits ou des roses du jardin de son époux. Elle le lui promit. Avant de recevoir le coup mortel, elle se mit à genoux et pria. Aussitôt parut un enfant portant 3 beaux fruits et des roses fraîches, bien confus en février, et il les portait de la part de Dorothée à Théophile,
qui confessa Jésus-Christ et subit le martyre ce jour même en rendant grâce à Jésus-Christ. Sainte Dorothée, modèle de foi et de sainteté. À toutes celles qui portent le précieux prénom de Dorothée, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saintes comme votre sainte patronne. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour le Saint du jour. Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville.